Salut à tous, c'est SGO, comment allez-vous bien? Moi ça va pas mal. C'est le retour sur FF, on quitte pas. Alors vous vous rappelez, lors de la dernière épisode, nous étions ici, à la prison du désert. En sortant de la prison et en ayant fait un petit bout de chemin, on arrive à peu près là. On découvre que des missiles sont partis sur la fac de Trabia et que deux groupes s'est formé, dont le groupe de Selfie qui part à la base de missiles qui est ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que en fait, entre cet épisode et l'autre, il y a un petit moment qui s'est écoulé parce que j'ai un petit peu farmé les sorts. En fait, pour être très exact, si vos GeForce manquent de PDC, ici, sur ce bord de plage, sur la longueur du sable blanc, vous allez pouvoir affronter des Jojon qui vous donnent entre 6 à 9 PDC, selon la quantité qu'il y a. En fait, ça dépend s'il y en a 2 ou 3 en fait. 2, 6 et 3, 9, tout simplement. Ce qui fait que j'ai pu booster un peu mes GeForce, donc j'ai pu apprendre certains trucs en plus. Permettre à certaines GeForce, comme par exemple Nosferatu, de rattraper son retard à ce niveau-là. Ahuri par exemple, pareil, voyez, tac tac tac. Et j'ai pu améliorer Malabar et Malabil également. Donc ça c'est ce que j'ai fait, ça m'a aussi permis accessoirement de ramasser cet objet-là que je vous conseille. Le Zygène, que si vous utilisez la compétence suivante qui est ici, qui est créer magie céleste, page 6, et que vous allez là-dessus, non, c'est créer magie glace. Voilà, ça vous permet de créer des H2O, donc des sorts d'eau. Voilà. Maintenant, le but de la mission, c'est d'aller donc aux missiles qui sont là-bas. Alors vous ne pouvez y aller que si vous utilisez cette bagnole. Vous n'utilisez pas la voiture, vous y rentrez pas. Donc vous le sachez déjà d'avance. Donc faites en sorte que, parce que la voiture devenir en voiture. Ah bah il a fait un contrôle d'identité des plus rapides. La simplicité faite. Alors, baladez-vous un peu. On risque rien. Pour eux, on est des soldats de Galbadia. Point. Connaissez le cheminement de plus, hein, je croise un point de sauvegarde. On fait une sauvegarde. Voilà. C'est pas grave. Doit y avoir un truc. Ça doit être par là. Non, merci, ça c'est bien, j'ai compris. Ok, on va marcher comme ça. Ah, voilà. Thank you.
Et ça passe. Ok, c'était l'autre porte. Parce que je, quitte à être mongol, autant l'être au bout, jusqu'au bout, hein. C'était papy gâteux. Ça ne sert à rien de courir, hein. Je peux. Cool, c'est cité. Dis aux soldats d'occuper des missiles qu'on le rejoindra plus tard. Comment c'est des flemmards ces mecs? Saloperie de militaire quoi. Il y a l'armée suisse, je vous jure. Tranquille hein. On s'est pas repéré, on est gentil, on est l'armée galbadienne. Nous on est comme eux. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah, là, il y a un clavier. Ok, j'ai pas l'autorisation. D'accord. Bon. Bon, si on retournait sur la passerelle, voir les deux mongolitos, là. Pour voir ce qu'ils me disent. Salut, mongol numéro 2. Tu as l'air d'être celui qui donne des ordres, ici. Mongol numéro 1. C'est par là? Ah, il faut trouver hein, cette bande de blaireaux là. Toi là, si je te cause, il se passe quoi? Rien. Alors c'est celui avec les escaliers peut-être. Non. Bon, on remonte. On va voir s'il y a des gens en haut. Thank you.
Je vais tout détruire. Ah, rien de fait chier. Alors, appuyez n'importe où ou appuyez sur ce bouton là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Je me demande s'il y a un truc à faire encore. Si je fais fuir, il va m'attaquer. Si je fais combattre... Bah on va devoir se combattre. Je vais faire les aider. On spam la touche. On Hop.
Ok. Bon, on va dire que c'est target, hein. Non, non, pas équipement. Target. Ensuite, part du principe, j'essaie d'aller dans la logique. Hein. C'est pas un moment que j'ai pas refait ça. Je suis un petit peu. On va dire que c'est oui. Ok. Je pense qu'on peut exit. Je pense qu'on peut re-exit. Oh, ça passe. C'est l'heure tout défoncé. J'ai gardé pillé. Enfin, s'ils survivent à ce coup-là, quoi. Et je vais vous foudroyer. Pardon. T'es dans... Ah, je croyais qu'ils allaient tomber. C'est pas drôle. Ah si, ils sont tombés. Oh yeah. Non. Alors attendez. Magie. Soin.
Voilà. Non. Irvine. Twisty. Selfie. Voilà. On se prépare pour la vraie bastion. Ok, c'est celui-là. C'est lequel que je dois utiliser? Ah d'accord. Comment on fait? Par là? Oui. Ah là, j'ai enfin pu y aller. Nous venons en paix. Faut choisir la durée. Qu'est-ce que je mets? Allez. J'espère que ça suffira. Ah, ça détale vite hein. Putain, Usain Bolt au démarrage là les gars. Oh. Baston. Il est chiant ce boss, je vous le dis direct. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me donnes? Stop. Oh c'est cool ça. Faut que j'apprenne le stop, attends. Voler. Stop, lancer sur toi. J'espère que ça marche. Merde. Alors on se concentre. On tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Ah, j'ai pas entendu son. Machine éclair, sort de foudre. Ça devrait le violer. 1500, ouais, c'est pas exceptionnel, mais ça fait un peu mal. Ah oui, c'est juste, faut que j'explose ces moteurs. Commandeur, on va pas se laisser faire. Si, j'aimerais bien. Raté. Oh, les deux frangins, tapture. J'adore.
Wop. Un service express. Un. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez hop, chi, fou, mi, mi, mi. C'est parti pour le décollage. Que 500? Oh, je suis un peu déçu là. Alors, c'est pas avec ça que tu vas me faire mal, mon coco. Hein. On va utiliser Shiva. C'est que les deux autres sont level 10, hein. Faut pas oublier ce fait. Pensez pas que la G-Force est faible. Hein. Je veux juste le dire. C'est que là, j'affronte un boss qui est assez loin dans... Putain, je l'ai plus. Et je suis redescendu. Qui est assez loin dans l'histoire. Et Tauros et Taurus sont, eux, level 10. Alors que mes autres chimères sont level 50. Entre 40 et 50. Tu vois. Donc, c'est normal qu'elles fassent moins de dégâts. Quand elle aura acquis la même puissance, elle fera beaucoup plus mal, quoi. Ah! Oh, mais vous êtes gonflant! De toute façon, vous butez, les gars. Soyez chic, quoi. Laissez-moi régler le problème. J'essaie d'aller vite, hein, parce que j'ai quand même le chrono. Hein. Faut que je bute avant de la fin du chrono. Alors, les chimères me coûtent beaucoup de temps, mais elles font beaucoup de dégâts, donc... Ah, ça l'a raté. Oh, c'est bâtard, ça. Oh, les bâtards. Cette fois-ci, ça passe. Ah non, mais c'est Shiva, putain. Mongolito. J'étais en train de spammer la touche, là, pour augmenter la puissance. Ah, ils avaient un peu de rap dans cet épisode. Hein. Rayon de poussière. Ah non, c'est poussière de diamant. Ah bah voilà un petit 1000, ça devrait faire péter un autre canon. Easy, encore deux. 3 minutes pour le faire. À vos ordres. Et puis si on veut pas que tu nous élimines, Ondine, G-Force, Shiva. Et puis si on veut pas que tu nous élimines. Allez, je spam comme un débile, je spam comme un débile, arrête de spammer comme un débile. Spam comme un débile, spam comme un débile, spam comme un débile, spam comme un débile, spam comme un débile. Arrête de spammer comme un débile. Respam comme un débile. C'est bon. T'en vas. Ça augmente pas la puissance de la G-Force de manière extraordinaire. Mais c'est rigolo, ça occupe pendant la G-Force. Donc... Quoi? C'est incontrôlable ce machin. Commandant. Je crois, je veux pas être sûr, mais je crois que j'ai un peu fait mal aux adversaires. Il reste 2 minutes. Hein. Putain, ils sont au feu les gars quoi. Vous avez vraiment que ça à penser les mecs? Enfin je sais pas, on est en train de vous buter quand même. Hein. Normalement un coup de G-Force devrait les finir. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Ça c'est la poussière de diamant. Et un petit 2000 dans leur cul et c'est réglé. Voilà, merci, bonne journée, au revoir. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Ah, le fanat des flingues du mois de juin.
Une petite popo, 4 PDC. Waouh, putain, la récompense, quoi. Ah. Allez, c'est sur ça que je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.